Franco Le Mignon célèbre un an d'anniversaire en tant qu'influenceur. Allô? Oui, je le crois. Mm-hmm. Tu prends 20 000 pour votre bonne compréhension. Toi, maman, 130 000. J'envoie ça à l'hôpital une fois à notre papa. Tu as envoyé combien? C'est 150 000. Ok. Tu es à quel niveau à Baganté? Je suis à côté le stade. À côté? Le stade. Le stade? Oui. Et moi, je suis à l'université, là. Tu peux venir prendre à l'université des montagnes. Ça, ce n'est pas mon problème, monsieur. Mon problème, c'est l'argent, là, pardon. Oui, viens prendre. Viens prendre l'argent, là-bas. Je prends comment, non, monsieur? Ah, Dieu. Non, viens prendre en sur les mains. Qui avait te donné les espèces? Je dis quoi, monsieur? Mon téléphone, le clavier dérange. Tu peux faire manger l'argent, là? Je dis que... Le téléphone est quoi? Le clavier dérange sur mon téléphone. Il ne peut pas faire les transactions. Oui, tu vas envoyer ça. C'est quoi, non, monsieur? Parce que j'ai donné l'argent là, dans ta main. Il veut te donner, non? Il veut te transférer. Renvoie ça, mon argent, sur mon numéro, pardon. Ton numéro, c'est quoi? Le numéro qu'on cause avec. Et c'est quel numéro, pardon? Et donc, mon clavier, c'est quel numéro? Il veut noter la piquée, pardon. Non. Tu peux faire manger l'argent là, ne parle pas ton numéro, je note, et m'en vais changer de téléphone, j'ai même appelé un autre téléphone, et tu transfères ton argent. C'est mon numéro ici. Je ne vois pas, mon afficheur ne donne pas. Dis que je vais écrire. Ne blague avec moi, monsieur, ne blague avec moi, pardon. Tu ne veux pas l'argent. Tu m'envoies ton argent et tu ne veux plus. Pardon, écoute-moi. Oui. Comme tu peux manger l'argent là, tu me dis une fois, je laisse, tu manges. Il ne veut pas manger ton argent, c'est pour l'hôpital, non? Tu l'envoies mon argent, non? C'est pour l'hôpital, non? Hein? C'est là de l'hôpital, est-ce qu'on mange l'argent de l'hôpital? Renvoie ça sur le numéro aussi. Est-ce qu'on mange l'argent de l'hôpital? Attends, je ne viens pas dans ton quoi, tu parles que tu es quoi? Oui, envoie ça sur le numéro aussi. Donne, dicte alors le numéro, je vais écrire. C'est le numéro qu'on cause avec nous, monsieur. Mon afficheur ne donne pas, je ne vois pas le numéro. Dicte, j'écris. Et m'en vais changer de téléphone, et mets un autre téléphone et transfère ton argent. Oui, ok. Comme ton téléphone n'affiche pas, non? Mm-hmm. Oui, comme je suis un commerçant, tu vas arrêter ton téléphone à main, tu me suis? Oui. Pourquoi on ne coupe pas encore le frein, non, papa? Oui, mon gars. Oui, je veux seulement lancer le rituel de 130 000. Tu vas voir le message, tu valides ça, rentre ici une fois, non? Je vois comment, alors que mon afficheur ne donne pas. Ça va afficher! Ça va afficher comment? Ça n'affiche pas, mon afficheur ne donne pas. Tu veux qu'il voie comment? Comment tu as vu le message de l'agent là? Il vient de me réveiller, n'est pas vision. C'est quand tu me dis, avant que moi je te crois. Tu as vu ça comment? Je n'ai pas vu. C'est pas un monsieur réveillé, j'ai compris les bruits, comme quand le message arrive, ça fait les bruits. J'ai compris les bruits, okay. Tu m'as appelé, j'ai dit que tu as l'air de quelqu'un gentil. J'ai dit que quand même quelqu'un ne peut pas se lever le matin, il manque comme ça. C'est tout pour la rendre l'hôpital. Ok, mm-hmm. je vais envoyer le numéro aussi avec le nom, par message, tu l'envoies sur ça, non? Tu envoies encore par... Il dit que je ne vois pas. Tu dis que tu envoies par message encore pour moi. Prends le numéro. Donne-moi le numéro. Attends, prends le bic. Hein. Oui. Mm-hmm. Ça, je donne ça. Oui, vas-y. 6-9. Oui. 3-3. Oui. 6-9. Oui. 2-2. 6-9-3-3. 6-9-2-2. 6-9. Mm-hmm. 3-3. Oui. 6-9. Oui. 2-2. Oui. 4. Mes fans,
On fait comment déjà assez? On le brûle ou on fait comment? On fait le bouillon avec? Point d'interrogation. Tu es promoteur culturel, tu es artiste et musicien, producteur ou réalisateur ou encore écrivain. Vous cherchez une belle salle pour présenter vos œuvres. Contactez rapidement les Las Vegas situés au niveau de Pont Emana à Messassi, derrière Amouba, à Yaoundé. Vous voulez organiser également vos événements tels que le mariage, le baptême, l'anniversaire ou d'autres événements. Contactez les Las Vegas pour la location de la salle. Une salle climatisée avec des jeux de lumière importé. Les Las Vegas met à votre disposition un DJ, des couverts, un tapis rouge et des chaises royales. Les Las Vegas, c'est également l'hébergement, la restauration et un snack VIP pour vos divertissements. Contactez rapidement ce numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations. Ok, bye bye. Abonnez-vous. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.